De retour les amis, où j'avais donc coupé la vidéo. Donc toujours dans le secteur de l'Ulden. Donc là je me dirige vers un endroit que je dois, on m'a indiqué d'aller. Au visionnage. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de l'Ulden. Mais Sto paraît intègre. Pour l'instant je lui fais confiance. Pour un tas de ruines. Allez, scène de baston. Laissez ce cercle. Le feu. Merde, je rigole dans le feu. Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Tout en fouillant les cadavres. Et hop, l'entrée est par là. Des outils de médecin, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron.
Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. Ce doit être bloqué depuis l'autre côté. Alors là, trouvons un moyen d'accéder. Hop, là, il se faufile dans le trou. Déjà, je serai pas bredouille. Donc on a un petit coffre. Donc ça n'est pas par là, mais au moins un temps passé là, j'ai vu avec les amis qu'il y avait un coffre caché. Je vais vous repasser dans le petit trou pour lequel qui en est venu. Là, c'est d'où nous arrivons. Ok. Donc, hop, on se donne trou. Ici. Coincé, je dois passer de l'autre côté. Alors là, c'est trouvons un chemin qui m'emmènera l'autre côté. Ça c'est là, c'est pas pour en rien. Voilà. Ah,
La petite cachette. Donc, quand vous arrivez au trésor, vous faites ça. Vous arrivez ici. Regardez, vous mettez là. Et là, il y a le petit passage secret. On fait un peu de casse. Hop, pour voir ce qu'on peut piquer. Donc là. La porte, on pourra l'ouvrir. Des messages entre le compas et la sangsue. Soigné et trippé. La sangsue est quelqu'un d'étrange, mais le compas ordonne les meurtres. Voilà, une fois que vous avez fini de chercher tous les indices. Je dois montrer tout cela à Erke et à... Il y aura d'autres bains de sang à Lunden. Sini n'aura de quoi festoyer. Ensuite, vous sortez. Hop. Vous passez là. Vous repassez ici. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Là, hop. Voilà. Là, je vous laisse avec la cinématique. Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigre n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile ? Quelques feuilles de vélin, des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens ? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement ? Ce serait un peu long à expliquer, mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets ! Foutaise ! Y a-t-il autre chose comme piste ? Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc. Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin, et se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue. Et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves. Mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres près des quais ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits, mis en pièces. Mon Dieu, Erke.
La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la censure. Leur mort ramènera le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la base. Peut-être la censure s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection. Et ben voilà les amis, quête terminée. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Assassin's Creed sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien, tchuss.